Salut tout le monde, c'est Darkboy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Creativity. Bon, on se retrouve avec Bedrox du coup qui a voulu faire l'intro avec moi. On se retrouve pour une présentation de build. Donc voilà, présentation de build, qu'est-ce qu'on a en premier comme build? Donc là, bon, le plot je l'ai choisi au hasard en vrai. Donc là, c'est un plot de Math Minecraft. Math Minecraft, bon là c'est un truc au pif, là... Les minerais sont mis au pif. Ensuite, là, la maison est un peu détruite. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ça doit être un truc de piège ou un truc comme ça. Parce que là, on voit des crochets. Je sais pas à quoi ils peuvent servir à part piéger. Porte-manteau, mais déjà, pour qu'il y en ait autant, je vois pas. Pour qu'il y ait toi le dernier à côté non plus. Donc, toi le dernier, ça fait plus pour les pièges, trucs sinistres, les trucs comme ça. Selon moi, donc pour moi, ça doit être un truc sinistre. De base, mais elle était un peu détruite la maison, on va dire. Là, c'est un portail qu'il a fait tout à l'heure, donc c'est un hôtel, un truc comme ça. Là, normalement, on peut pas aller dans le Nether. Voilà, parfait. Enfin, dans l'End, on peut pas aller dans l'End. Et là, je lui ai passé ses œufs. Il a peut-être oublié d'en mettre un ici. Non? Ok, voilà. Il a dû oublier d'en mettre un là, je crois. Bon, si jamais t'as pas oublié et que c'était fait exprès, tu l'enlèveras à la limite. Vu que c'est ton plot. Mais du coup, les gens, normalement, ils peuvent pas décaler les œufs. Genre, si on fait clic droit, ça le téléporte. Genre, là, bon, c'est un œuf de base, quoi. Clic droit, ça va le téléporter. Bon, là, je peux pas, du coup. Mais normalement, ça va le téléporter si vous êtes... Si c'est vous le propriétaire du plot. Ou si vous pouvez modifier dessus. Alors là, c'est un début de construction. Ça doit être un mur. Un truc comme ça, il a déjà commencé, je crois. Il a déjà commencé sa construction. Je sais plus ce que c'était. Non, on sait pas ce que c'est, ok. Aucune idée de ce que c'est. D'ailleurs, je vais peut-être régler le son Minecraft. J'ai l'impression que j'entends rien du tout. Donc, je vais régler le son. Et à la limite, en plus, là, si vous voulez, à la limite, pour avoir des œufs, il y a ce mec-là. Vous faites, genre là, vu qu'il a des œufs partout, clic molette, et puis c'est bon, vous avez un œuf. Voilà. En vrai, pour les spawners, c'est pareil, du coup. Quoique, non, vous pouvez pas avec les spawners, apparemment. Bon, du coup, je vais régler mon son en jeu. Si j'y arrive et du coup je vais vous retrouver dès que ça sera réglé. Ok, du coup j'ai réglé le son, voilà, c'est fait juste relancer Minecraft. Bon, ce plot on l'a déjà vu, c'était un plot bordélique. Là, plot très... Ouais, bon, on est déjà allé du coup. Là c'était une course, Arthur 2102 qui avait fait une course de bateau en fait. Et d'ailleurs là je vais peut-être réduire quand même le son de la musique. Voilà, 10%, parfait. Donc là, voilà, là bon, je sais pas ce que c'est. Je vais quand même essayer de me balader, trouver d'autres plots que la dernière fois. Donc je vais mettre en speed déjà. Speed, fly, 5. Voilà. Voilà, comme ça je vais plus vite. Et l'autre qui me suit, il va pas pouvoir. Et non, tu ne peux pas me suivre, je vais trop vite. Donc, Medina, c'est moi qui a fait une... Il a essayé de faire... En fait, une maison sur pilotis avec l'eau représentée en pixel art. Enfin, le sol représenté en pixel art, quoi. C'est pas profond, quoi. Donc, ensuite, voilà. Lui, on l'avait déjà vu, il me semble. C'est propriété de Natlink. Donc, là-dedans, bah, on a... Non, peut-être on l'avait pas vu. Donc, là, c'est une tête de mort. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est fait exprès à l'œil. Là, il doit être en train de cligner de l'œil. Et il est en train de chevaucher. Chevaucher. Genre, des chevauchés pour un vélo. Il est sur son vélo, quoi. Il est en train de ride de vélo, comme on dit en anglais, ride de back. Bike. Donc, il chevauche un vélo, voilà. Là, c'est une tour de guet. Il n'y a rien dans le coffre. C'est une tour de guet, voilà. Parfait. Donc, une, ah! C'est une, il manque le drapeau blanc pour faire les mecs qui se rendent. Ça me rappelle un film, je sais plus lequel, où les mecs ils sortent et juste avec le drapeau blanc tout défoncé, ils sortent juste le drapeau blanc d'étranger, ils font on se rend, ils font on se rend, on se rend, un truc du genre, je sais plus. Putain. Bon, là on l'a déjà vu, donc Iyuki qui avait fait un spawn. Là bah pareil, ah non, Creeper Minator qui avait fait un autre spawn d'ailleurs. J'ai trouvé quelques éléments, en gros, ceux qui étaient pas là, il y avait, hop, c'était marqué, ah, c'est plus marqué, il y a plus de panneau.
Il y avait un panneau pour en fait pour essayer de trouver des objets là-dedans, des œufs ou un truc du genre. Pas des œufs. Les œufs de Pâques, ça sera demain, la vidéo de demain normalement. Vous aurez bah, une vidéo avec Pâques. Et d'ailleurs demain il y a un événement Pâques. Donc demain à l'heure de la publication de la vidéo carrément, il y a un événement de Pâques sur le serveur où on va faire plein de mini-jeux, chasse aux œufs, chasse aux lapins et tout. Et les gagnants, ils vont pouvoir gagner des grades sur Ainity. Donc pour le moment sur Ainity, on peut pas vendre d'objets, enfin on peut pas vendre avec de l'argent physique parce qu'il faut un statut spécial. Et puis vu que je suis mineur, je peux pas trop, je peux pas. En fait, j'aurais pu l'avoir, mais il faut s'émanciper pour s'émanciper. Je pense pas que mes parents le soient d'accord. Donc en gros, s'émanciper pour faire simple et puis compréhensible. C'est qu'en gros, on n'est plus, on n'a plus sous la responsabilité de ses parents, donc on est considéré comme un mec majeur, mais il faut avoir plus de 16 ans pour ça ou être marié sinon. Donc voilà, et du coup, je pense pas que qu'ils vont accepter mes parents. Donc, bref. Alors, la propriété de Arxan, je crois qu'il a les deux plots. Il a les deux plots. Bon, ah non, non, ça c'est Jojo la frite. Donc, Arxan qui a ce plot. Et là-dedans, il nous a fait un petit désert ici, avec bah, du coup des maisons. Là, c'est maison médiévale, non? Un petit manoir, un truc comme ça, avec le toit en fait. Non, c'est gothique peut-être. Ça doit être gothique avec le toit. En vrai, je dis peut-être de la merde, mais je crois que c'est gothique avec le toit. Ça doit être ça par rapport à la forme en fait. Après, il y a une différence entre gothique. Et pas médiéval, non. Non, ouais, il y a deux styles qui se ressemblent à peu près, je sais plus. Il y en a où c'est un toit en pic et un autre où c'est arrondi. Je sais plus. C'est deux types de construction en fait. Il y en avait un qui est apparu avant de l'autre, je sais plus non plus lequel c'est. Là, il a demandé quoi sur le panneau? Peut-être qu'il a demandé un truc. Est-ce que je pourrais World Edit, please? Il veut jusqu'à cette hauteur ou... Ah mais non, je crois qu'il veut juste World Edit. Et c'est Alfast. Ok, bon bah je vais noter ton pseudo Alfast pour te demander qu'est-ce que tu voulais faire avec World Edit. Comme ça, voilà, on pourra t'aider, je pourrais t'aider. Alors là le plot, oui, on l'a déjà vu. Donc alors on va se déplacer comme ça. Là on n'avait peut-être pas vu ça. Ça, oh merde, voilà, on l'avait peut-être pas vu. C'est un petit plot où on a une petite course. Non. C'est une course. C'est une course, je crois. Ouais, on peut se déplacer. Jeu. C'est marqué quoi? GG, ok. C'est si simple quand même. Il met une montagne d'or. Waouh, je suis riche. Merci pour l'or. Je fais... bah voilà, je me give l'or en masse parce que je peux pas en avoir plus en créa. Donc voilà, 64 d'or, c'est beaucoup. Franchement, je suis riche. Merci, merci, attends. J'ai oublié le nom du mec, du plot. Merci, merci, attends que je sorte du plot. Merci et que je revienne. Merci Ferox, voilà. Kebab client qui n'a pas encore continué son affaire. Donc pour ceux qui avaient vu avant, c'est balle de match. Il a juste changé de pseudo, voilà. Là, voilà, Azodox. Donc ça, c'est un nouveau plot. Si je dis pas des conneries. Donc là, il a, bon, vu qu'il a mis, il a appris la programmation il y a quelques temps déjà, genre il y a peut-être 5-6 mois, peut-être plus, où il a commencé la programmation, il adore ça. Bah, il met tous les langages de programmation là. Il y a le C++, c'est pas un G pour ceux qui se demanderaient. Là on peut penser avec le blanc, mais c'est un C. Il y a le JS, si on regarde dans ce sens-là, voilà. Il y a Java, voilà, donc ça c'est pour Minecraft en fait. En général, bon, Minecraft a été codé en Java, quoi. C'est pas spécialement pour Minecraft. Et là, on a... Ça doit être Python. Il a dû faire un serpent, en fait, pour signifier que c'est Python, ou je sais pas sinon. Et bon, là, c'est une baraque tout à fait normale, où si on va dedans, il y a juste de l'eau, en fait. Ok. Il y a juste de l'eau là-dedans. Ok. Alors... Cette construction qui est un incubateur à eau. Et d'ailleurs pour les autres plots de construction, je pense que je vais peut-être noter les plots que j'irai voir les prochaines fois.
Ça serait mieux parce que sinon je vais tomber sur les mêmes plots à chaque fois, vu que je serai dans la même zone, donc ça serait un peu embêtant pour vous en plus. Ça, c'est un début de plot de suprême. Enfin, avec un Q pour le E. Suprême. Et là, bon, c'est un petit étang du coup. Ok. Là, c'est un plot de Jojo l'Afrique qu'on a pu voir tout à l'heure, où il a commencé à faire... Alors, on a des panneaux. Welcome to the Pharaoni Museum. This museum aims to make you live the history of Farns. Donc, pour ceux qui comprennent pas trop ce que c'est écrit, c'est marqué Bienvenue au musée des pharaons. Enfin, pharaonime, bon, ça se dit pas trop, je crois. Ce musée a pour but de vous faire vivre l'histoire des pharaons. Voilà. Donc, c'est bien expliqué comme ça. Bon, ça ressemble pas à des pharaons, ça. C'est des boss avec une tête de Wizard School, c'est tout. Mais bon, on va pas juger. C'est des pharaons, voilà. Ah, merveilleux. Qu'est-ce que vous nous vendez? Oh! Des manuscrits. Ah! Oh, c'est le début du musée. Faut peut-être juste que tu fasses les mains, qu'on les voit sortir. Parce que là, on dirait qu'ils sont manchots. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre qu'ils soient manchots, en fait. C'est perturbant. Donc, si tu peux mettre des mains à la limite, ça serait bien plus cool, tu vois. Bon. Ah, merde, attendez. Voilà, je vais pas lui enlever son plastron non plus. Alors, dans le coffre, on a entrance ticket. Là-dedans, on a... Ouais, bon, on peut rien voir d'écrit spécial. Par contre, bon, je vais le remettre. Et par contre, là, on a un livre. Est-ce qu'on a quelque chose d'écrit dans le livre? Non, on n'a rien d'écrit. Ok, bon, il n'y a rien d'écrit dans le livre. Et là, bon, j'imagine que c'est les mêmes livres, donc ça doit être pareil. Ouais, il n'y a rien d'écrit, on peut pas l'ouvrir. Ok. Et là, bon, ok, c'est un petit passage pour aller derrière au niveau des employés. Mec, tu mets... Attends, il y a quand même un truc qui va moyen. Genre, dans un musée ou même n'importe où, dès que tu vas... Bon, c'est un petit détail, mais dès que tu vas dans le truc des... à l'endroit où il y a le staff quoi, donc ouais bon les staff quoi, je sais plus trop en français. Voilà l'équipe en gros, l'équipe du musée. Dès que tu vas voir l'équipe de la réception, genre tu rentres par la porte, voilà. Et là, ah merde, pour rentrer dans mon fauteuil, il faut sauter au-dessus. Non, mais il n'y a pas un banc où genre tu dois l'enjamber comme ça. Déjà, il y a peut-être un espace entre les deux. Bon, peut-être t'as voulu le faire en petit. Mais y a pas un truc où genre tu sautes au-dessus du banc pour t'asseoir dessus après. C'est un peu irréaliste, mais bon, ok. On va dire c'est parce que déjà t'as pas fait l'écartement parce que c'est des Dalton et c'est des jumeaux quoi. Mais et en plus t'as voulu leur cacher leurs mains ou un truc comme ça en les mettant leurs manches l'une dans l'autre. Mais bon, on va pas juger là-dessus, voilà, on va s'en aller sans juger. Home. Ah, c'est ça ma maison? C'est une plateforme? Ah ouais, c'est comme ça que tu évalues notre respect. C'est en nous donnant juste une plateforme. Ah ouais, ok, bon. On te retient. Fluxl. Fluxl qui a fait une... Qui veut peut-être faire un centre commercial. Ouais, non, non, pas centre commercial, vu la matière qu'il y a là, ça c'est du bois. Non. T'as un chemin devant. C'est marqué quoi? Merci de me mettre les permes de World Edit. Ah bah c'est pareil. Toi, il faut que tu aies ton pseudo dans la liste des pseudos pour World Edit Flux LLL. Je crois. Il me semble c'est ça. Voilà. Si vous avez besoin de petite aide pour World Edit, on peut vous aider un peu. Pas, bon, dès que vous serez beaucoup, on pourra pas tous vous aider non plus. Surtout que si on vous donne les permissions de World Edit, je sais pas si ça va faire lag ou pas le serveur. Parce que du coup, il y aura beaucoup de monde avec World Edit en même temps sur des parcelles. Mais bon, à la limite, on testera ça, on verra bien si ça lag ou pas. Là aussi, demande World Edit apparemment. Toi, c'est Alpha. Ah, mais non, c'est Alphast. Ah, mais c'est de là à là-bas qu'il voulait World Edit. Bon. Je lui demanderai après dès qu'il se connectera du coup. Là, ok. Plot de cri Terminator, mec. T'as plusieurs plots. T'en as un, deux,
3. Ouais, bah, en fait, mais c'est normal, c'est un but vert, mais normalement, déjà, on va te mettre sur une autre map pour les plots comme ça de, pour les maps. Parce que là, je suis sûr que tu voulais faire une map pour le serveur. Vu le nombre de plots que t'as loué à côté, t'en as 6, mec. Et là, il a juste mis un pauvre bloc pour le moment. Il l'a placé quand, d'ailleurs? Tu l'as placé? Putain, mais il y a longtemps! Vraiment, t'as abandonné ton projet de hub, en fait. Parce qu'il y a 791 heures, c'est quand même il y a longtemps, ça. 791 heures, ça fait... un mois, peut-être. Un mois, un truc du genre. Parce que 24 heures fois 10 jours, 240. Et, bon, 240 fois 3, ça fait à peu près 700. 720, voilà. Et, du coup, ça fait 10 fois 3, donc 30 jours. Ouais, grâce à cette chaîne, vous arrivez aussi à apprendre à compter, bravo. Merci, merci, merci Darkbo, quoi. Vous arrivez quand même à apprendre à calculer, quoi. C'est énorme, ça. C'est la seule chaîne de divertissement où vous pouvez apprendre à calculer. Ah, bah voilà les plots que j'avais pas tellement vus. Donc, ah, les voilà enfin, quoi. Ça, bon, je l'ai déjà vu, là. T'as toujours pas rajouté l'œil. J'ai envie de le rajouter à ta place. Mais bon, ok, on va pas le rajouter. Là, non, on l'a déjà vu ça, mais du coup, t'as peut-être amélioré. Non, ok, les bâtiments sont toujours vides. Le bâtiment est toujours vide, ça doit être pareil pour les autres. C'est pareil. T'as rien amélioré, qu'est-ce que tu... Ok. Là, bon, on a déjà vu ça. Là, je voulais aller voir ceci plutôt. Voilà. Ça. Le plot de Gaga 53 qui m'intéresse bah, en fait, il m'intéresse bien ce plot. Il m'intéresse bien. Il m'intéresse énormément, voilà. Parce que c'est un truc plutôt original. T'as mis le sol tout en lave. Est-ce qu'on peut aller... Ok, ouais. C'est juste un plafond en lave. Enfin, une surface. Et t'as mis un volcan au-dessus. Et le truc en haut, c'est bien fait aussi en plus. C'est des blocs de magma pour bien que ça pour que ça tienne quoi. Et franchement ouais c'est cool le volcan que t'as mis que tu as fait avec les blocs 1.12 que t'as testé du coup. C'est cool. Bon c'est un builder en même temps mais bon c'est que on va quand même dire que c'est bien quoi. On va pas le dire ouais c'est nul alors que c'est un builder. Ouais, donc voilà. Et là t'as fait une spirale en bloc donc là merde. Ouais non, voilà, il faut rester comme ça, parce que même si je zoome, on voit rien. Ah ah! Y aurait-il un défaut au milieu? Non? Ah, c'est juste un... Ok. Peut-être, mais c'est juste un bloc voulu, sans doute. Si c'est tout au milieu, ça doit être voulu. Et là, on a un plot de Polar Klaus. Il a peut-être tenté de faire une œuvre d'art, mais je ne comprends pas son œuvre d'art. Si c'est une œuvre d'art, oh parfait, on a ah bah voilà, on a les autres, ah non ok, on a peut-être les autres, non ok non c'est les mêmes plots, je pensais que c'était d'autres plots mais non c'est les mêmes, ok et bah du coup ça m'a l'air ok, je vais me balader un peu, je vous retrouve si je trouve d'autres plots, ah je suis, non j'ai déjà vu, ah bah voilà un plot isolé, ah bah voilà on a d'autres plots, nickel, ah celui-là on l'a déjà vu, mais celui-là on l'a pas vu. Ah, il est en train de tester sa course de bateau. Vas-y, attends, j'allais te faire une course avec lui. On va faire une course. Je fais une ellipse pour le début de la course. Hop, hop, hop. Et ouais, bah ouais, va falloir attendre en fait. Parce que la course, on va la faire au prochain épisode. Vu que là, en plus, c'est déjà un épisode bien rempli. Et pour garder un suspense, on va dire. Donc, pour le prochain épisode du Creativity qui aura lieu, qui sortira mardi prochain. Le 30 avril, vous aurez la course de bateau. Voilà. Bon, je parle, du coup, ce sera, c'est un épisode coupé en deux, donc vous aurez l'impression que je parle d'hier. Donc, dès que je parlerai de l'event de Pâques, ce sera l'event qui aura lieu demain pour nous. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!